Eh bien, salut à tous, à la manette Pépèche, et on est parti pour la suite de notre let's play sur Prince of Persia, les Sables du Temps. On est sur la PS3 en version remastered, et on avait trouvé le petit passage secret, donc c'est parti, on y va, on continue. Voilà, easy win. Hop, on récupère du sable, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Oula, je pense qu'on va courir. On va sauter, on est pas mal. Aïe aïe. Ouais, donc je pense qu'il faut pousser la caisse sur le mécanisme. Non, il n'y va pas. Pousse la caisse, mon garçon. Voilà, il va pas. Qu'est-ce mystère? On préfère la tirer en fait. Hop. Oh là là, l'énigme, les amis. Je me souviens plus trop. Ouais, ça va être. Je pense que je fais le malin, mais. Ça va pas durer. Ok, il faut mettre le rayon sur les soleils. Ok, on tire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, ça y est. Ça y est, il pète les plombs. Il pète les plombs, je vous le dis. Allez, prends ta barre. Pour l'amour de Dieu. Il court pas. Oh, il va me tendre. Waouh. Il a un sacré problème. Waouh, Joe la frite. Faut juste que tu passes de l'autre côté, mec. Hein. C'est pas la peine de te péter le. Attention. Mince. Attention, ouais, mais. C'est injouable. Fais pas le fou. Fais pas le foufou. Oula. C'est bon. Dieu Tout-Puissant, j'ai cru que vous étiez un d'entre eux. Aidez-moi à activer le système de défense de Hazard. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il pète les plombs, il quoi. Il faut être deux pour y arriver. Je vais remettre les axes à leur place initiale. L'homme qui s'en occupait est... Enfin, peu importe. Ouais, ok, je sens que t'es en train de me dire que... Descendez tout en bas de la plateforme. Utilisez les deux leviers circulaires pour la faire remonter. Ouais, il est en train de bien me brasser, là. Vous voyez ces quatre axes? Il va vous falloir les aligner un par un. Il pète les plombs. Les quatre ensemble. Puis les ramener en haut tous les quatre. Ok, mec. J'ai rien bité à ce que t'as dit, hein. Franchement. Faites attention à les prendre dans le bon ordre. Ah, ok. Tu peux répéter, mec? Qu'est-ce que je dois faire, s'il te plaît? Parce que là, c'est pas clair, ton histoire. Oh, on n'est pas rendu, je vous le dis. Ça y est, vous avez le premier axe. Okay. Plus que trois. Ok. Surtout, suivez bien les encoches. Ah, il y a des indices, là, apparemment. C'est des indices, c'est quoi? Pleine lune, enfin demi-lune, quart de lune. Ah ouais, d'accord, donc il faut en mettre un. Ouah, c'est pas clair. Parce que là, si on regarde bien... Ouah,
si je dois refaire ce truc là, parce que j'arrive pas à voir ce qu'il y a là-haut. Bah, c'est pas clair. De toute façon, faut le bouger, hein. Pas attendre 1000 ans. Il se passe rien, c'est parfait. Et c'est là... ça ! Un des leviers fait pivoter la plateforme ! L'autre la fait monter ou descendre ! Ok, on a compris, mec. À pas nous péter le cerveau. Mais concrètement. Je vois pas les symboles, c'est ça qui me saoule, quoi. Donc ça, c'est le symbole de la lune pleine. Wow, c'est pas clair. Oh, il va me tendre, Joe la frite. Déjà, il faut que je vois les symboles. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me raconte? Ah non, je vois rien là. C'est pas clair. Ah, ils sont là les symboles. Ok. Donc celui-là, c'est la pleine lune. Vraiment, la pleine lune, il est où? Wow. Demi-lune, quart de lune. Attention! Réfléchissez! Ouais, je fais que ça, mec. T'énerve pas. J'arrête. Je fais pas le con. Ouais, mais c'est ingérable le truc là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attention! Réfléchissez! Ok, bon, c'est que c'est pas ça. What the fuck, bro? Qu'est-ce qu'il faut biter là? Je comprends pas. Ah ouais. Ah ouais, il y a des trucs, il y a des dessins, c'est ça? Non, c'est pas ça. On comprend rien. Hein. Là, celui-là, c'est la demi-lune. Ok, c'est celui-là, la demi-lune. D'accord. Donc on va tourner. Ah non, ça c'est la pleine lune, d'accord. Ok, j'ai compris. Non ! Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Ça c'est bon. Je fais que ça de réfléchir. Je suis monté trop d'un cran, c'est ça? Ok. Bon, là, je tourne et je prends. C'est quoi là? C'est quoi celui-là? C'est la pleine lune. La pleine lune, elle est là. Donc, on va tourner par là. Je sais pas ce qu'il me fait, hein, mais... Pourquoi est-ce qu'il me fait bugger comme ça à chaque fois? Réfléchissez! Ouais, mais je fais que ça de réfléchir, mec. C'est pas le bon truc là? Ça a l'air. Non? Attention! Réfléchissez! Ça a l'air bon pourtant, non? Ah si, c'est ça. Allez, arrête de me saouler, mec.
Les autres ils sont. Bon là, ça c'est bon. On est d'accord. Ah oui, c'est parce qu'il y en a encore un en bas en fait. Ok, j'ai compris. Donc faut descendre. Non. Wow. Non! Oh mon dieu, mais c'est ignoble! Arrête! J'ai vraiment le cerveau là, qui est en fusion. Voilà. Il n'y a pas à me dire attention. Normalement. Voilà. Ça marche absolument pas. C'est ici. Et 2-2 Et 2-2, c'est bon. On est pas mal, Robert. Allez. On remonte ce merdier. Après, on y va comme ça. Ok. Non, faut encore le tourner. Parce que là, il faut monter. Ah non. Ah non, je peux pas monter. Ok, faut encore le tourner. Ok. Forcément, faut monter. Là, de toute façon, je peux pas tourner. Là, ici, c'est quoi? Non, ça, c'est pas la bonne. Parce qu'il y en a deux. T'es sérieux? Okay, non, je peux pas faire ça. C'est pas le bon. C'est pas celui-là. C'est celui-là, mais ça peut pas tourner là. Ouais, faut le remonter et le tourner par là. Waouh, t'es sérieux? C'est en train de me... Donc j'ai dit, je le tourne par là. Je sais pas ce que je dois faire. Ça y est. Je me suis perdu.
monter jusqu'en haut. Ouais, je pense que là, ça a l'air bon. Ouais. Attention! Réfléchissez! Quoi, c'est pas ça? Attention! Réfléchissez! Ah, mais ça, je peux pas, là. Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Qu'est-ce que c'est que cette brasse? C'est quoi les dessins, là? Je peux faire ça. Ouais, je capte pas. Est-ce qu'il faut remonter? Ça a l'air bon. Purée, à l'époque, c'était pas des... Putain ! Chers amis, si c'est possible, nous descendons. Oh, voilà l'énigme, quoi. J'ai vraiment le cerveau qui a... Et deux, quatre ! Maintenant, remontez-les et alignez-les avec les engrenages ! Purée, bah, je vais faire ça tout de suite, mon gars. Vous y êtes presque. Alignez les axes dans le bon ordre avec les engrenages. Mais quel est le bon ordre, mon gars? C'est un peu... Qu'est-ce que c'est que cette brasse, quoi? Comment on sait lesquels sont les bons, en fait? Pas, mec, des fois, non? Tu te sentirais pas... Non, je peux pas. C'est quoi le bonheur? Je sais pas. Ça y est! Je savais que je pouvais compter sur vous! Ah ouais, bah écoute...
Retour à la case départ. Oh, ça méritait bien un trophée d'argent. Dernière étape. Vous voyez cette plateforme? Actionnez votre levier et j'actionnerai le mien. Actionnez votre levier. Quelle sorte de machine est-ce là? C'est le système de défense du palais. Assez perdu de temps. Actionnez votre levier. Quel levier? Il est fou, quoi. Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que vous attendez? Ces créatures démoniaques peuvent revenir d'un moment à l'autre. Je vois pas de levier, mec. Ah! Ok. On a réussi! Ces maudits démons vont regretter le jour où ils se sont attaqués au palais de Hazan! On va sauvegarder. Bon, je vais sauvegarder, je vais écraser au-dessus hein, de toute façon. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. C'est bien, mon petit gars, tu reprendras à partir de ce point. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pas forcément transcendant le gameplay, mais en même temps une petite énigme. Je sais pas si un jour des gens sont restés bloqués dessus. Pourra toujours servir de tuto. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. À la manette, c'était Pépèche. Ciao !